Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul action. Et oui, j'ai pas pu m'empêcher d'y retourner parce que c'est bientôt le baptême d'Hugo. Donc bah, il a fallu que je fasse quelques petites emplettes. Donc on va commencer tout de suite, hein, je vais pas tergiverser 4 plombes. Je me suis pris un bouquet comme ça avec des roses. Vous savez, j'avais déjà présenté 2 que j'ai dans mon logis, mais je vais prendre les 2 plus celui-ci. Et l'autre, donc ça fera 4 plus un autre, en gros ça fera 5, pour mettre sur la table du baptême. Donc en fait c'est cela, mais comme je vous ai dit, il y en a d'autres couleurs. Ils étaient à 2,79 chaque, donc exactement ce que je vous ai montré déjà la dernière fois. Ensuite j'ai repris un bouquet de roses blanches, et dedans il y en a 14. Et par contre celui-ci était à 2,99, mais il est super joli. Donc honnêtement je trouve que si j'alterne un au milieu et deux sur les côtés, ça fera super super beau quoi. Ensuite j'ai pris des bougies chauffe-plat parce que j'ai acheté les bonbonnières du baptême sur AliExpress. Et j'ai acheté 2 sortes, je vous mettrai des photos ici si vous voulez voir. J'ai acheté 2 sortes et il y en a une que je vais utiliser. En fait c'est des petites cages à oiseaux avec des papillons dessinés dessus. Et je les ai trouvées super sympas vu qu'elles sont dentelées. Je vais mettre une bougie chauffe comme ça, chauffe-plat mais électrique. Donc celles-ci elles sont rechargeables. Et il y en a 8 à l'intérieur, ça m'a coûté 9,95. Donc je pense en mettre quelques-unes. Je pense que je vais mettre 4 lots de 2 sur les tables pour faire sympa, pour faire un peu une ambiance... une ambiance cocooning un peu, vous savez, un peu ambiance tamisée, ça pourrait le faire. Ensuite, ben, c'est des idées déco que j'ai. Hein, je verrai bien si ça passe ou si ça casse. Je changerai peut-être d'idée sur le moment. Mais c'est vrai que là, après, j'ai trouvé que c'était pas cher. Donc même de toute façon, si je les utilise pas, je les utiliserai pour de futurs événements. Il n'y a pas de souci, ça se garde. Ensuite j'ai pris des nœuds, vous savez comme ça, parce que je me suis dit que sur les vases, j'ai décidé de prendre des pots, des petits pots pour bébé en fait, les hauts, que je vais peindre en blanc. Je vais mettre un espèce de bandeau de sequin bleu, enfin vert haut, et certainement je vais mettre un nœud comme ça sur le vase, le décorer de nœuds pour que ça fasse sympa. Donc j'en ai pris 2 parce que j'ai eu peur de manquer. Donc en gros, ça m'a coûté 82 centimes le paquet. Et il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 16. 16 dans chaque paquet. Il y en a 8 de couleur verte eau et 8 couleur bleu marine. Ensuite, ben, j'ai repris en fait des cadres photos. Parce que tout simplement, donc ils étaient à 79 centimes, parce que tout simplement, je ne sais pas si je vous l'avais dit dans le précédent haul, je vais mettre des photos d'Hugo, et chaque personne qui mettra quoi que ce soit en fait comme cadeau dans la cage à oiseaux que je mettrai en fait à l'entrée, recevra en fait une photo du doudou pour aller en déco chez lui quoi. Ce sera une manière pour nous de dire que on les en remercie et que au moins on fait quelque chose en rétribution quoi. Je veux dire, c'est une manière à nous aussi de les en remercier. Ensuite je me suis repris des paniers comme ça parce qu'ils sont trop bien. Et au final j'ai déjà rangé les produits dans ma salle de bain. Je vous rappelle hein, quand vous ouvrez ici sur le côté, ici là ça vous fait un repose, un cale panier. Du coup les 3 sont superposables et franchement ils sont super. Ils sont super, c'est pour ça que j'en ai racheté 3, parce que dans mon mode de salle de bain, les 3 tiennent les uns sur les autres sans problème. Donc en fait j'en ai voulu 3 autres pour l'autre côté, parce que sinon ça faisait, voilà, c'est tout, tout simplement. Les 3 coûtaient 3,19€. Et ensuite je me suis pris ben, la mousse en bloc, vous savez, ben, justement pour faire les compositions florales de la table du baptême. Et c'est, alors... pour les dimensions, c'est 23 par 11 par 7,5. Et ça m'a coûté 38 centimes. Donc même si je n'utilise pas, je veux dire, c'est pas une grosse perte. Hein, 38 centimes, je veux dire, je ne vais pas me ruiner avec 38 centimes.
Donc voilà, c'était tout pour ce haul très très rapide chez Action. Mais effectivement, j'avais des petites choses, hein, comme notamment les bougies qui se rechargent, qui étaient intéressantes. Parce qu'après le reste, c'était un peu des choses que vous aviez déjà vues dans le précédent haul. Mais bon, étant donné que j'en ai été satisfaite, ben, je vous ai un petit peu fait la même. N'oubliez pas, hein, les tiroirs en acrylique, ils sont à 3€. Alors, précision par rapport aux anciens tiroirs en acrylique que je vous ai présentés, qui sont trouvables chez Leclerc, Carrefour, chez Stocco. Non, pas chez Stocco. Chez L'Incroyable. Alors, ceci, bizarrement, l'épaisseur du tiroir est plus épais. Enfin, plus long, enfin, plus, oui, plus haute. Donc, ce qui fait qu'on peut mettre des choses un peu plus larges, ranger des choses un peu plus larges dans les tiroirs. Donc, ça, c'est top. Et par contre, ils sont un petit peu plus petits au niveau de la largeur. Donc, en fait, c'est cool parce que du coup, moi, j'ai les deux largeurs. Et ce qui va pas dans l'un pourra aller dans l'autre. Alors, petit nota bene. J'ai rencontré aujourd'hui ma première abonnée sur la place d'Erlon. Donc sachez que suite à ce haul, vous aurez un autre haul sur justement cette journée place d'Erlon. Je vous les filme tous les deux en même temps, mais je voulais faire des vidéos courtes pour une fois. Donc là, elles vont durer 6 à 7 minutes. Donc ce sera parfait. Donc je t'embrasse bien fort, Océane. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Pour toutes les autres abonnées, n'hésitez pas quand vous me voyez à m'arrêter. Même si je suis avec Loulou, il n'y a pas de souci. Je prendrai 5-10 minutes pour tchatcher un petit peu avec vous. Si ça vous intéresse de me rencontrer, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. On se fait une sortie que je vous l'ai déjà proposé. Mais n'ayez pas peur, parce que la petite Océane, je t'embrasse bien fort, hein. Franchement, j'étais très 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 heureuse de te rencontrer. T'as eu un petit peu peur de venir me voir, mais franchement, je mords pas. Donc pour toutes les autres qui veulent venir me voir, n'hésitez pas, hein, on fera une petite photo ensemble, il n'y a pas de souci. Donc je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.